Nous bénissons le Dieu tout-puissant du Papa Florian qui vous a élevé aujourd'hui. Parce que vous étiez cadre de banque. Pour un oui, pour un non, vous avez décidé d'abandonner ce travail-là. Vous avez galéré pendant 3 ans, alors que c'était la sorcellerie qui vous oppressait. Effectivement. De cadre, vous vous êtes retrouvé en famille chez votre papa. Mais quand vous avez connu le Dieu de Papa Florian, votre histoire a changé. Totalement. Allons-y pour le témoignage. Merci Papa Peggy. Je dis vraiment merci. On parle avec puissance, c'est dit. Je dis merci au Dieu de Papa Florian qui a vraiment fait beaucoup pour moi. Effectivement, comme vous avez dit, j'étais cadre de banque. Mais à cause de plusieurs choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai décidé de partir sur une liste de départ volontaire. Et c'est ainsi que j'avais déjà postulé, parce qu'avant de partir, il faut que tu aies ton pied sur caillou. Oui. Et cet endroit aussi, où le caillou dont je parle, je vais et je me rends compte qu'ils me disent, on va vous rappeler. On va vous rappeler. Et c'est resté comme ça. On va te rappeler, on va te rappeler, on va te rappeler. Je postule dans d'autres endroits. On ne me rappelle pas. On trouve mon CV. Oh, c'est un bon CV. Ça, c'est un CV. Même quand on te prend aujourd'hui, tu travailles au FMI. Tu travailles à la banque, à la BAD, à la Banque mondiale. J'ai même postulé. Mais papa, à chaque fois, quand les gens m'appellent, ils disent qu'ils vont me rappeler dans une semaine, on ne me rappelle pas. Quand on dit non, ton dossier est bon, on dépose mes dossiers, même à la primature. Ils ont mis les cachets de la primature sur mes dossiers. Mais ça tarde, je ne comprenais rien. Donc, de 2020 jusqu'en 2023, je n'ai même pas eu de suite dans n'importe quelle demande que j'ai faite. J'ai dit, mais comment je vais faire ça? C'est ainsi que le Dieu de Papa Florian qui ne dort pas. Le Dieu de Papa Florian qui est très et très puissant, je sais de quoi je parle, a suscité un ange en la personne de Sylvestre, un ami, qui m'a dit, mais ma soeur, ta situation me fatigue. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Dieu de Papa Florian, de Papa Florian à Port-Bouy? Il dit, mais non, moi, qui va me parler de lui? De toute façon, je suis ici, là. Il dit, mais il faut que tu te lèves. Mais ta situation, là, c'est la sorcellerie. Ça ne peut être que ça. Tel que tu m'expliques, là, c'est la sorcellerie. Donc, viens, je vais te conduire chez Papa Florian. C'est comme ça, un lundi, il a dit, c'est les jours de visite, là. Donc, les jours de comment, la réception. La réception, oui. Et c'est comme ça, je me suis levée avec lui, on est venu. Et j'étais dans le rang de ceux qui doivent être reçus par papa. Et il a dit, ici, il y a déblocage, il y a maladie. Quand je suis arrivée vers papa, moi, je pensais que c'est une histoire de où il y avait une m'asseoir pour dire, non, papa, tu vois, non. Ici, on ne parle pas beaucoup. Il m'a dit, viens, ma fille, c'est déblocage. J'ai dit, papa, c'est déblocage. J'ai dit, voilà, va, il m'a conduit. Et on m'a donné le tout de déblocage, les éléments de déblocage. Oh. Quand j'ai commencé les éléments, les 2 semaines qui ont suivi, j'ai commencé à recevoir des appels. Et parmi ces appels, j'ai vu qu'il y a des situations dedans qui n'étaient pas trop pour moi bonnes. Par rapport au salaire, oui. Par rapport à la situation de vie qui est chère, donc j'essaie de calculer. Les gens disent, hé, ma chérie, ça fait 3 mois de travail. Il faut prendre ça et dire, non, Dieu, papa, il aime les bonnes choses. Donc moi, je vais expérimenter ce Dieu-là dans les bonnes choses-là. Voilà. Et c'est ainsi qu'un jour, je me suis levée aussi, je suis venue voir papa. Voilà, papa Florian, voilà ma situation. Ça fait 3 ans, je ne travaille pas. Le Dieu de papa Florian qui aime les bonnes choses, qui aime l'excellence, qui aime les choses bien faites. Il n'est qu'à me mettre dans un boulot où je vais avoir des avantages, où je vais avoir une voiture de service, où je serai rehaussée par rapport à tout ce que j'ai subi, où mon visage sera haut dans ma famille. Franchement, j'ai besoin de ça. Il n'a pas parlé beaucoup. Papa Florian ne parle pas beaucoup. Il a pris le mouchoir blanc. Je vous conseille ce mouchoir blanc-là. Ce mouchoir blanc. Ce mouchoir blanc. Il a pris le mouchoir blanc. Il a mis son parfum dessus. Il a mis ça dans un truc. Il a dit, ma fille, tiens, tu t'en fais entretien quand? Ce jour-là, le lendemain, j'avais entretien. Donc, j'avais voulu voir Papa Florian la veille. Entretien-là, c'est quand ma fille m'a dit, ton entretien-là, tiens ça, avant d'aller le matin, là, tu pries sur le mouchoir, tu t'en vas avec le mouchoir. Ma fille va te prendre. Parole de prophète. Oh, il n'y a rien à dire. C'est le las. Il n'y a pas un homme de Dieu. Non. C'est le seul que moi je vois. J'ai fait beaucoup d'églises. J'ai fait beaucoup d'églises. Les jeunes en ont point fini. J'ai fait des jeunes, les offrandes sacrificielles par-ci, par-là. J'ai tout fait. Aucune suite. Petit lait. Huile. Puissance 7. Ça a décanté ma situation de 3 ans en arrière. Et quand je suis allée faire l'entretien, j'ai suivi les consignes de Papa Florian. J'ai suivi les consignes, tout et tout. La semaine qui a suivi, les entreprises, elles se battent pour m'appeler maintenant. Et les vraies entreprises, toi, ça se bat pour m'appeler. Invisible. Moi qui étais invisible, on me voit aujourd'hui.
Moi qui étais la risée du quartier parce que les gens venaient à la maison. Ah, mais papa, ta fille là, c'est comment depuis son travail là, on ne comprend pas. Ça faisait honte, surtout qu'elle était l'aînée des filles. Je me cachais presque dans les chambres pour ne même pas que les gens aient à me voir pour dire, ah, la fille là, son affaire de travail là, c'est fort. Hein. Depuis là, aujourd'hui là, on m'a appelée. Je suis rentrée dans une nouvelle structure qui m'a appelée par la grâce du Dieu de papa Florian. Moi qu'on ne voyait pas pendant 3 années, aujourd'hui, les structures là se balancent, se démêlent pour me prendre dans leur effectif. J'ai dit, bon, ok, le Dieu de papa Florian va m'orienter. Et dans mes prières, il dit, Dieu de papa Florian, où tu veux que je commence là? Fais en sorte que là-bas, là, la femme là m'appelle, mais le monsieur là m'appelle rapidement. Et c'est comme ça qu'il y a une structure immobilière, hein, gérée, c'est-à-dire là, c'est la structure d'un grand homme de ce pays. C'est là-bas qu'on m'a appelé. Et je suis partie, j'ai fait l'entretien. Quand la dame a fini l'entretien, moi, après le mouchoir blanc de papa, hein, oui. Il s'est dans mon sac, il s'est dit, toi aujourd'hui là, tu vas voir, tu connais papa Florian. Ton Dieu là, tu vas le connaître aujourd'hui. Moi, je ne sors pas d'ici sans ce boulot là. Et c'est comme ça qu'elle m'a regardé. Quand je suis sortie de là, le lendemain, la dame m'a appelé. Oui, Miss Ake, voilà, j'aimerais que vous commenciez dans mon cœur. Il dit, Seigneur Jésus, Dieu de papa Florian, c'est comme ça, toi tu es. Oh, j'étais tellement joie dans le taxi dans lequel j'étais là, que les gens qui étaient autour de moi disent, mais la femme, elle a quel... Il ne peut pas comprendre. On ne peut pas tout expliquer. Et c'est comme ça que la semaine qui a suivi, j'ai commencé. J'ai commencé à dire que c'est un essai dans la structure privée, là, c'est un essai. Parce qu'il faut qu'on sache à qui on a affaire. Oui, oui. Voilà, donc j'étais en essai. Elle dit, c'est 3 mois essai. Mais le Dieu de papa Florian, il continue, mais ben, il dit aux gens qui commencent les bains, ils font une seule fois et puis ils laissent là. Ben, là, on fait ça tout le temps. Dans le mois, j'ai fait au moins une semaine bain. Une semaine bain, c'est ça qui fait que ça déconne certaines situations aussi. Et c'est comme ça que la femme m'a regardé pendant un mois, elle a vu mon boulot, elle a vu mon abnégation au travail, il y a ça aussi, mes compétences, tout ça, elle dit non, toi. Un matin, je viens, elle dit, il faut regarder ça, si ça te convient, je regarde, je vois le salaire. Elle dit, c'est un CDD, tu es la seule dans ce cas, pour le moment, tu dis à personne, tu es dedans. Et c'est comme ça que j'ai signé, et puis elle dit, Dieu de papa Florian, ça c'est rien. Donc, j'ai dit aussi au Dieu de papa Florian, parce que toutes les promesses que vous faites au Dieu de papa Florian, il faut les tenir. Il faut vraiment les tenir. Et j'ai dit au Dieu de pouvoir Florian que lorsque mon premier salaire va tomber dans ma main, 6 francs, je n'ai qu'à marcher même pas aller au travail, je ne touche pas. 6 francs, je ne touche pas, je dois remettre à l'église, au chemin du ciel, au Dieu de papa Florian, c'est pour lui, ma prémisse. C'est pour ça que je suis venue à ma prémisse après mon témoignage pour remettre ça au Dieu de papa Florian. Merci. Voilà. Merci. Parce qu'il faut rappeler que quand vous étiez à la banque, on prenait un rendez-vous. Pour me voir, j'étais chargé de compte VIP. Oui. C'est pas tout le monde. Le diable vous a fait chuter. Il m'a fait chuter la sorcellerie familiale. Mais non, c'est rien, papa. Ils vont prendre drap, ces sorciers-là. Le Dieu de papa va en train de faire un travail de fond dans la famille. Tout ce monde qui était toujours en train de mettre les bâtons dans les roues, là, c'est fini, ça. Le temps est arrivé. 2024, là, ça, c'est mon premier témoignage. Apprêtez-vous. Je viens avec de puissants témoignages encore. Par la grâce du Dieu de papa Florian. Amen. Amen. Merci d'être venu. Merci papa. C'est les prémices. Ouais. Hein. Voilà les prémices. Voilà. Voilà. Ce que j'ai promis à Dieu, j'ai envoyé. Amen. Que Dieu bénisse ce travail là et qu'il me fasse encore aller de l'avant. Bénis encore l'œuvre de tes mains. Amen. Qui t'assiste. Amen. Qui te protège. Amen. Tous ceux qui vont se lever. Occupe-toi du Seigneur. Amen. Merci beaucoup papa.